me demande qui je serais si j'étais resté ici. Une peine imbuvable, à qui la faute? Je me suis perdu en auto, cul-de-sac. Puis ben, j'ai entendu une voix, fait que c'est vous la voix. Oh ouais. Fait qu'ici, juste vous deux. Puis on n'existe pas pour personne. C'est ma tante. C'est la sœur aînée de mon père. Je cherche un endroit pour la loger. Un endroit discret. Elle va nulle part où aller. Hey, nous autres, on veut pas de trouble. Si la police débarque ici, on va se rembourser dans un hospice à manger du mou. On va mettre quatre murs de béton derrière les barreaux. Ici, c'est juste en attendant. Va falloir vous trouver un nom. Comment on vous appellera dans votre nouvelle vie? Marie des Neiges. J'aimerais qu'on m'appelle Marie des Neiges. On va aménager la cabane, puis on va la retaper, puis on va l'isoler un peu mieux. Merci. Il y a pas de quoi. Ici. Bien, l'eau est bonne. J'ai jamais appris à nager. Oui, c'est bon. Je dirais pas où vous habitez, hein, promis. Vous êtes dans le tas, pour le gouvernement, toi? Non, je suis photographe. Je cherche des gens qui ont survécu au grand feu de la région. Tout a brûlé. C'est un enfer. Avez-vous connu Boy Chuck? Bah, c'est une légende. Il a marché durant 6 jours sans s'arrêter. J'ai toujours été clair que je prendrais ma retraite dans le bois. Puis depuis là, je la vive à mon goût. Et maintenant, elle est à ton goût. Je rêvais de voyager, de découvrir le monde, mais je n'avais pas le droit de rêver. C'est ma première vie. Et j'y tiens. Vous avez jamais réussi à oublier les grands feux? C'est pas le feu qui nous hante. C'est l'amour.